celui-là, regarde. Je l'ai retrouvé en fait, aujourd'hui celui-là en fait. Dominique l'avait fait, puis on l'avait roulé et mis dans une pièce à côté. Puis je me suis dit, c'est quoi ce papier? Et je l'ai fait aujourd'hui. Mais là, j'aime bien parce qu'il y a une grande légèreté, il n'y a pas beaucoup de traits, mais il y a un espace. Et voilà, moi je l'aime bien celui-là. Je ne sais pas si tu le vois bien ou quoi. Je dirais celui-là, il était un peu évident. Quand il y a un rythme comme ça avec des taches, je les raccorde avec des... et j'en fais des arbres. Des arbres que je n'aurais sûrement pas dessinés comme ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est que à la fin, ils ressemblent à des arbres, ils m'appartiennent, mais il y a des formes aléatoires que je ne contrôle pas et j'aime bien faire avec ça. En fait, je lui ai imposé des formes et des couleurs, et après il s'est débrouillé pour les intégrer, en faire un dessin qui se tienne. Et en fait, il s'est pas trop mal débrouillé. C'est gentil. Ouais, non, c'est exactement ça. Elle posait comme elle voulait des taches de couleurs sur des papiers, et moi j'avais le droit de tourner le papier et de prendre dans le sens qui m'intéresse pour en faire quelque chose. Celui-là, je suis partie de la feuille de papier blanche et puis j'ai décidé que la route, tu vois, j'avais des réserves. Tout ça, c'est de la réserve. La feuille, elle rentre partout. Et après, j'ai juste mis des taches pour signaliser les maisons et le funiculaire, le tram, voilà. Tu vois, il est juste dessiné par les fenêtres, en fait. Donc, je pars souvent d'une gamme colorée que je m'impose. Et puis après, j'essaie de retranscrire une image. Voilà, souvent j'ai fait un croquis, je pars d'un croquis et puis je pars sur une gamme colorée où mon croquis est déjà tout en couleur ou soit au crayon et puis après voilà, je m'impose une gamme et en laissant toujours des blancs, je veux toujours que ça respire quoi, le dessin, que ça n'a pas l'air d'être bouché quoi.